salut YouTube, c'est Rookster, nouvelle vidéo Dead by Daylight Killer avec la Légion, avec un build bien basé sur de la vitesse donc de destruction de palettes, du blocage de générateur et de la pénalité eh bien, au niveau de certains effets pour les survivants. Vous allez prendre la fureur de l'esprit, donc compétence de l'esprit, qui fait que lorsque vous aurez détruit deux palettes, la prochaine fois donc, que vous serez étourdi par une palette, l'entité détruira instantanément celle-ci, mais vous aurez quand même la pénalité donc de l'étourdissement. Vous allez prendre force brute du trappeur, qui fait que vous allez détruire les palettes lâchées, les murs et les générateurs 20% plus vite. Le dispositif de la mort donc de Caleb, le lance-mort, qui fait que lorsque vous allez hook, eh bien un survivant a un crochet, cette compétence s'active pendant 30 secondes. Une fois activée, tout survivant qui s'arrête avant d'avoir entièrement réparé eh bien, un générateur fait que l'entité va bloquer donc ces derniers jusqu'à la fin de l'effet de cette compétence et vous verrez leur aura en blanc. Enfin, vous allez prendre la thanatophobie, compétence de l'infirmière, qui fait que pour chaque survivant blessé en état critique ou suspendu à un crochet, eh bien il y a une pénalité de 2% aux vitesses de réparation, sabotage et purification de totem. S'il y a les 4 survivants donc blessés, état critique ou suspendu à des crochets, il y a une pénalité de 12% supplémentaire, donc aux effets précédemment cités, vous pouvez monter jusqu'à 20%. En add-on, vous allez prendre le badge de la Légion, qui fait que les survivants qui suturent leurs propres blessures profondes, eh bien causées par votre compétence, donc le pouvoir de la Légion, la frénésie animale, eh bien subissent brisé pendant 60 secondes. Je rappelle, brisé empêche les survivants d'être soignés. Et enfin, vous allez prendre la cassette de musique de Julie, qui fait que lorsque la Légion donc, est étourdie pendant sa frénésie animale, eh bien, la jauge de pouvoir se remplit à nouveau. L'idée dans ce build est simple, vous allez faire un maximum d'utilisation de votre frénésie, donc le pouvoir de la Légion, pour blesser un maximum de survivants très vite. Vous allez appliquer la thanatophobie, qui va donc leur infliger une pénalité aux vitesses de réparation, sabotage, purification de totem. Vous allez briser les palettes plus rapidement, ce qui fait que vous allez avoir un maximum d'effet de fureur de l'esprit. Et en plus de ça, quand vous allez hook un survivant, vous aurez le dispositif de la mort eh bien, qui va s'activer. N'hésitez pas à utiliser votre pouvoir également, tout simplement pour vous déplacer plus vite sur la carte. Avec le badge de la Légion, les survivants eh bien, qui vont se suturer eux-mêmes eh bien, seront brisés, ce qui fait qu'ils vont rester blessés et vont booster tout simplement la thanatophobie. Et en plus de ça, vous pourrez les mettre en état critique immédiatement. Et en plus de ça, vous aurez donc le dispositif de la mort qui va s'activer, par exemple, si jamais ils arrêtent de réparer eh bien, un générateur, pour tout simplement se soigner, se suturer, etc. Bref, vous contrôlez vraiment le rythme de la partie avec ce build, et en plus de ça, c'est un build qui est assez nerveux. Je vous laisse donc découvrir ce gameplay, ça se passe sur Raccoon City. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas, le petit pouce bleu, la cloche, Twitch du lundi au samedi de 18h à 23h, et le plus important, bonne chasse à tous. Fast. Allez hop. Donc avec la Légion, vraiment, oh bah, let's go, là c'est buffet à volonté, là, les gars. Là, c'est buffet, mais genre, buffet à volonté, quoi, je savais que t'avais Spring Burst. Ok, impec. Salut Fast, ça va ou quoi? Salut, ça va ou quoi? Parfait. Ouais, ça va super bien Fast, merci beaucoup. Ok, il s'est suturé donc il est brisé. Parfait. Bah, disons qu'il est pas dans les meilleures dispositions, notre ami Cage, ouais. On va faire ça uniquement pour gagner un peu de temps. On l'a vu, hein, il est sur la gauche. Voilà, il est là. Ok, parfait, il est là. Hein. Alors après, je sais pas où il est passé, est-ce qu'il est resté là ou pas. Ok, il est resté là. Parfait. Donc lui, il est brisé. Il a fait du coup la technique de Zane. Parfait. Nickel. Il n'y a pas la cave, dommage. Bon, il y a un crochet qui est là. Ok, parfait. Ok, on a la Michaela qui est là, on va y aller directement. Elle m'a vu. Dommage.
Oh bah là j'ai fait de la merde pour le coup. Là tu vois j'ai fait de la merde, ça se voit que je joue pas beaucoup ce tueur. Mais ok d'accord. Parfait, l'idéal ça serait qu'elle mette la palette, non? Non, t'as pas envie, bon bah ok. On la lust, parfait, nice. Donc là c'est parfait puisqu'elle a mis une bonne palette, on va l'économiser pour la fureur de l'esprit. Elle va sauter dans le trou peut-être? Non même pas, elle va contourner, ok parfait. C'est pas le glaçon depuis frais, j'aime beaucoup cette expression mon petit Razou, vraiment. Ok, bon là pour le coup c'est vraiment pas... Ok parfait. Donc là on a une fureur qui est up. Ok on perd un gène. On est déjà à 3 hooks. On est à 3 hooks et on a perdu un gène. On a le dispositif qui a pop là-bas. On va descendre les escaliers. Voilà. Parfait. Donc là on a une fureur de l'esprit. Donc lui idéalement on va pouvoir du coup le mettre directement en état critique. Il va monter mais il n'y a plus de palette en haut. Ah si il y a une palette. Ah ben en plus de ça il la pète. Ça c'est un peu chiant mais bon on a perdu un deuxième gène. Ok. Ça c'est un peu chiant par contre pour le coup. Parce qu'il y a la palette qui est là. Voilà. Il est là-bas. Ok. Donc là je fais ça uniquement pour pouvoir du coup lui mettre un des dards, enfin lui mettre la suture pardon, et l'empêcher par exemple d'utiliser des dards. Là il va drop instant. Même pas. Ok intéressant. Il a pas envie de me mettre de palette sur la tronche. Ok. Ok nice. Ok, parfait. Il est en P2. Bon, il y a quasiment plus de palettes hein, sur la carte pour le coup, là. On sait qu'ils vont être sûrement sur le gène qui est là-bas. Voilà. On va péter ça pour avoir, du coup, la moitié de la fureur de l'esprit. Ils vont rater, du coup, l'autre gène. Ils vont descendre en bas, je pense. Salut. Ok, elle va monter, du coup. Là, il n'y a plus de palette, hein, de toute façon. Il n'y a plus de palette nulle part, hein, quasiment. Hein, du coup, là, je vais me prendre... Ah ouais, mais par contre, je vais me prendre sûrement... bien, deux gènes. Ok. Ça va sûrement aller vouloir déhook le cage. Ça va vouloir aller déhook le cage. Ok. Voilà du coup on va aller sur le cage hein. Il faut absolument qu'on le termine. Il n'y a plus de il n'y a plus de palette. Il faut absolument que lui du coup on le termine. Donc là il y a Ok bah là pour le coup malheureusement pour toi pas sûr que t'aies pris du coup là. Ok t'es mort. Donc là on est pas mal. On va péter ça pour avoir du coup la fureur de up. Bon lui ça fait un de moins déjà. Ok parfait. On a le dispositif. Après franchement je pense que quand même la game elle est terminée là. Puisque du coup il va y avoir le générateur là qui va être du coup terminé. Il va être terminé celui-là je crois. Voilà j'en étais sûr. Ce générateur là est terminé. Il y a du coup ok donc il va je pense passer par là lui aussi. Voilà.
Et il y a le crochet qui est en haut, on va y aller. On sait que la Michaela, du coup, elle est P2. Oh, putain, il m'a fait peur. C'est qui? C'est un safe palette ou c'est... Ok, l'adré. Bah non, je pense que le mec, il avait bras de fer, en fait. Le Jake. Je pense que le Jake, il avait bras de fer. Il m'a fait bien... Ouais, il a fait... Enfin, je crois qu'il a... bras de fer, ouais. Ouais, je pense qu'il avait bras de fer. Bon, ça m'arrive quasiment pas, du coup... je trouve ça assez stylé, quand même, pour le coup. Parce que c'est pas une... Elle est où? Elle est là, ok. C'est pas une compétence, vraiment, qu'on voit souvent, bras de fer, pour le coup. Donc, je trouve ça assez stylé. Ok, parfait. Donc, elle est morte. En vrai, stylé, hein. Pour le coup, très bien joué de sa part. Elle est morte. Ah, j'aurais pas le temps, dommage. Ok, ils sont là, les deux. Allez, bien joué. Bien joué, bien joué. Oh, c'était pas une mauvaise game dans l'ensemble, hein. C'était pas une mauvaise game.